Mais ça, c'est quoi ça? Il y a encore quoi? C'est la maison ou bien c'est une poubelle? Hein? Qu'est-ce qu'il y a que les choses sont en désordre comme ça? Regarde là où les gens peuvent. Si les invités viennent ici, qu'est-ce que tu vas dire? Un bonbon? Tu appelles un bonbon? C'est un bonbon, ma femme? Hein? C'est un bonbon que j'ai épousé ici? Dégage-moi ça rapidement! Ça veut dire que là, je ne peux plus l'envoyer. Comment? Je ne suis jamais venu ici un jour et trouver cette maison en ordre. Mais puisque je la range et ce sont les enfants qui la mettent toujours en désordre, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Gronde-moi! Continue à me gronder! Regarde! Hein? Où est le pot de fleurs qui doit rester ici? C'est pas ça là-bas! Mais... Et c'est là-bas que ça doit rester! Demain, tu ne peux pas venir ranger la maison, tu ne sais pas que c'est un travail! Continue à me parler de cette manière! Un jour, tu vas te retrouver à l'hôpital! Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas avec toi. Voilà l'enfant qui va tomber là-bas. J'ai voulu prendre une berceuse ici. Tu l'as chassée de peur qu'elle ne devienne ta co-épouse. Pourquoi seulement une berceuse? Hein? Pourquoi seulement une berceuse? Fais vite, tu me débarrasses cette table. Hein? Si un invité arrive ici maintenant, ça ne va pas te faire honte, mais ça sera plutôt moi. Prends mon sac si tu gardes ça là-bas dans la chambre. Et tu me mets la radio en marche. Vous passez tout votre temps ici à jouer à la musique, hein? Alors que les informations sont là. Elle me fait même rater le comment? Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Suite FM, bonjour et bienvenue à votre flash d'information consacrée aux faits de société. Elle est belle, très belle même, mais prostituée. Elle s'appelle Sylvie et aurait recueilli le sperme de ses clients pour en faire des pratiques mystiques. Quoi? Un seul homme peut libérer les victimes de cette fille. Son nom, il est médecin traditionnel et les attend lundi prochain, délai de rigueur. Le mysticisme bat son plein dans nos villes. De nos jours, la fille, elle est sorcière ou quoi? Plus de voyageuses de nuit. Cette nuit, elles se sont encore manifestées. Les deuxièmes bureaux ne se contentent plus seulement de la des mariés qui trompent leurs femmes. Aujourd'hui, elles veulent se rivaliser physiquement. Elle fait même un truc comme ça. Foyer. C'est ainsi qu'une Wolowos. C'est sûr qu'elle n'est même plus dans ce quartier. Hein. Jour. Voilà pour les titres. Le développement dans un instant. Ça. Attention, danger au quartier abattoir. Une fille nommée Sylvie, reconnue pour son immoralité sexuelle et sa prostitution, aurait recueilli le sperme de certains de ses clients pour des pratiques mystiques afin de se faire manger. Déjà, viens deux personnes mortes. Avis donc à qui je suis aussi, c'est qu'on dit à la radio là. Qu'est-ce qu'on dit avec cette fille? Qu'est-ce qu'on dit de se faire soigner? Selon les informations recueillies à ce sujet, un seul médecin. Mais il s'agit de quoi, hein? Dis-moi aussi. Les gens là sont finis. C'est qui? Quel genre? Le dernier lundi du mois, tout homme ayant donc été contact. Ayant donc été en contact mais direct ça avec le monde ici Sylvie, est donc invité à se faire soigner chez lui. Tu t'imagines? Dès lundi prochain. On dit que Sylvie, avec cela, la prostituée du quartier là, oui. Elle aurait emmagasiné les spermes des gens. Quoi? Pourquoi faire? Soit elle allait donner ça ou pour devenir riche, elle allait faire les pratiques mystiques pour devenir riche et aller en avant dans le futur. Et on dit que tous ceux qui sont passés par là doivent se faire soigner chez le marabout Changla dans les 24 heures qui suivent. Sinon, ils vont mourir et il y a déjà deux morts. Deux personnes sont déjà mortes. Magie! C'est ça que je parlais souvent ici. Elle dit, l'infidélité a déjà envahi tous les foyers. Mm-hmm. Les hommes sont devenus infidèles, on ne comprend plus. Incompris toi-même. C'est vous. C'est vous, non? Qui est-ce sur toi-même? Tu n'es pas passé par là. Qui? Fais quoi chez la prostituée là? J'étais avec toi. Hein? J'étais maintenant, tu l'as fait pour. Je suis. T'as dit. Bon, je ne me reproche rien. Tu es ici, tu n'es pas victime. J'ai plein de sorts, celles-là. Ils sont finis. Elle aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire avec les spermes des gens? L'argent va tuer les gens. Oh. C'est là, ils sont finis, hein? Ils sont finis. Ouais, mais si c'est soin, ça peut aller. Je vais aller chez Doudou. Tu dis que cherche à m'arranger la maison. Je vais arranger, tu ne vois pas comment. Enlève les choses ici sur la table. Il ne faut pas que je revienne ici, je trouve encore ça. Je vais arranger depuis là. Hein?